C'est Pierre Michelot, j'ai 30 ans et je suis un ancien TSA de l'année 2022 en aquaponie chez Ecologia Aquaponia. J'ai découvert l'aquaponie parce que j'ai fait pas mal de recherches sur différents modes de culture, comme la permaculture, l'hydroponie, et en fait, de fil en aiguille, on est tombé sur pas mal de documentation sur l'aquaponie, ce qui nous a beaucoup intéressé. À Copodia, j'ai découvert ce que je cherchais une formation et de fil en aiguille aussi, je suis tombé sur la formation proposée à Monsieur Blocher ici en Mayenne. J'avais découvert qu'il y avait beaucoup de petites formations assez disparates à travers la France, mais qui n'étaient pas complètes et que c'était là l'occasion d'avoir une formation qui était vraiment intégrale avec des stages, de la mise en pratique, aussi bien que de la théorie. Au niveau professionnel, on a pour projet de faire une petite ferme à envergure locale au niveau de la ville de Troyes avec un associé à moi, un ancien ami d'enfance. Bon, pour l'instant, c'est qu'au balbutiement, mais on espère bien mettre ça en œuvre dans le futur. Aquaponia, je dirais nature, je dirais culture, je dirais eau, de l'eau, beaucoup d'eau. Pour Ecologia, de la pédagogie déjà, l'amour de la nature aussi et une volonté de faire avancer les consciences et les faire évoluer. Eh ben, n'hésitez pas à foncer, c'est un super mode de culture. Par contre, il va falloir redoubler d'efforts parce que ça conjugue énormément de secteurs d'activité et de talents qu'il va vous falloir mettre en œuvre pour réussir.